le combat. Ah, c'est pas longtemps qu'on n'a pas vu ces cinématiques comme ça, trop stylées. Sur le roi hongrois à la bataille de Mongolie. J'adore. Les Mongols semblaient invincibles. Mais un an plus tard, le grand khan Ogedai mourut. Et ce fut le début de la fin. Les Mongols quittèrent l'Europe et rentrèrent chez eux. Pendant les 20 années suivantes, deux autres grands khans allaient monter sur le trône. C'est fou comme un homme peut tout changer. Contribuèrent à l'expansion de l'Empire à l'Est. En 1260, le petit-fils de Genghis Khan obtint le titre de grand khan. Il s'appelait Kubilai Khan. Il ébranlerait les fondations de l'une des civilisations les plus avancées du Moyen-Âge, la Chine. Domination. Oh, j'aime ce que je vois là. Les petits. Ah, j'ai plus le nom qu'on appelle ça déjà. Voici Chengdu. Connu aussi sous le nom Trébuchet, de. Trébuchet, merci. C'était autrefois la capitale du nord de Kubilai Khan. C'est impressionnant. De là, il observait d'un œil jaloux les richesses de la dynastie Song au sud de la Chine. Et il en reste, pour ainsi dire, plus il rien. Il rêvait de s'emparer de ses terres et de devenir empereur de toute la Chine. La dynastie Song gouvernait le sud de la Chine depuis plus de 300 ans. Et le pays était prospère et bien gouverné. Kubilai Khan savait que pour remporter la victoire, il devrait s'emparer de l'une des villes stratégiques situées au sud de Chengdu. Cette ville, c'était Xiangyang. Xiangyang. Ville qui existe toujours, du coup on est d'accord. Ouais. Les images de Xiangyang. Xiangyang était la porte d'entrée vers les régions du sud et le siège du pouvoir de la dynastie Song. La oh, les murailles, c'est impressionnant. Du fleuve Han, une voie d'accès vitale pour les villes situées le long du Yangtze. S'emparer de Xiangyang était le seul moyen pour Kubilai Khan de devenir empereur de Chine. La horde mongole devait conquérir la ville à tout prix. La forteresse des Song. Désireux de devenir empereur de Chine, Kubilai Khan déploya son armée pour s'emparer des villes les plus riches de la dynastie Song, situées de part et d'autre du fleuve Han. La forteresse jumelle de Xiangyang et Fengcheng se préparait à se défendre, j'imagine. C'est genre, il n'y a pas assez de place pour afficher le reste du texte, c'est ça, non? Littéralement? Ou c'était volontaire de ne pas montrer la suite? Pas... Ah voilà, bah c'est vraiment ça, il faut passer en fait, dessus pour voir la suite. Se préparer à un assaut direct. Ok. Effectivement, oh là là, mais Squall qui a anticipé qu'il fallait cliquer dessus, mais quel homme! Je suis vraiment un utilisateur moyen. Moi, je vois trois petits points, je dis, bah c'est bon, c'est fini. On n'aura pas d'infos, monsieur. Tout est foutu. Près de Xiangyang et Fengcheng en 1267. Kubilai Khan, non content de gouverner ses propres terres, voulait s'emparer des richesses de la dynastie Song au sud. Confiant dans ses tactiques éprouvées, il ordonna à son armée d'attaquer les villes de Fengcheng et Xiangyang. Ok. Tant que ça consiste à casser la gueule à plein Même de monde... Même si la véritable cible de Kubilai était la forteresse de Xiangyang, les Mongols devraient d'abord prendre le contrôle de la ville voisine de Fengcheng. Ok. Alors... Peut-être numéroter de façon un peu plus logique. C'est... J'en sais rien, on voit tout le monde dessus, on verra bien. D'accord, c'est un cul-de-sac. Nous sommes face à un délicieux cul-de-sac, messieurs. Je sais pas si je dois séparer mes unités. C'est vraiment une bonne idée de séparer tes unités. Ok, on a une ville ici. On sait pas trop ce qu'il y a en bas. Je suis hésitation, je fais comment? Cette madame qui a l'air assez costaud, elle est gentille ou ça se passe comment? Si je te pique ton trésor, tu vas kiffer ou Non, c'est bon, ça la dérange pas. C'est gentil de sa part. C'est ma foi gentil. Ok, donc il n'y a rien de plus ici. Bien fait de passer. Je sais pas si ça vaut la peine d'aller... Ça, c'est des ennemis, donc ouais, faut que je leur casse la gueule. Règle de base, quand t'as un ennemi... Bégaye. Quand t'as un ennemi fragile, tu peux fracasser, toujours lui fracasser la gueule dans le dos. Regarde, là, des petits villageois qui sont à découvert. Oh, le moulin à vent, énorme.
Il est pas comme les autres. N'est-ce pas? Ok, là, une tour, fais gaffe, mange pas trop. Évitons des problèmes. Bon! Il est où le petit villageois? Comment ça? C'est pas très juste de l'attaquer, je sais pas de quoi vous parlez! C'est tout à fait juste, monsieur! C'est pas parce qu'on est à 100 contre 1 et en plus des non-militaires que des civils que c'est mal! Je ne sais pas de quoi vous parlez! Nous sommes en 1261 et à cette époque c'est tout à fait correct! Alors, n'est pas en pause, ça va pas attraper de chat. C'est sûr que ça rend les choses compliquées. Je peux pas passer, on est d'accord. Ah, il doit passer de l'autre côté. Attends, du coup, temporisons deux secondes. Temporisons deux secondes. C'est bon, c'est tout massacré, les gars. Vous êtes contents, là? Vous avez foutu le bordel? On est fiers de vous. Go massacrer ce truc. Là, j'ai rien. On a aucun autre passage, on est d'accord. En dessous, il y avait quoi? C'était des jaunes. Enfin, la couleur jaune, là. Là, on a la couleur rouge. N'est-ce pas? Précisons. Allez, pète-moi ce truc. Dès que c'est pété, on y va. Allez, ça y va, messieurs. Voilà. Regardez-moi ça. Le massacre est total. On tue l'autre. Après avoir débarrassé le pont de ses gardes, les Mongols reprirent leur marche vers Fancheng. Oh, ce massacre, ce massacre! D'une propreté incroyable! Ok, est-ce qu'on pourra créer du coup une civilisation? Ou pas du tout, c'est vraiment une mission jusqu'au bout. On y va. Oula, oula, attends. Toi, reste par là. Alors, messieurs, je propose d'aller massacrer les petits civils d'abord. Toujours le sens des priorités. Guidez prudemment, Tifex, yeah! Let's go! Mais monsieur, la réflexion, c'est pour les fragiles, nous on y va! Un moment, faut pas hésiter. Ah, je comptais attaquer les civils d'abord, mais bon, si vous insistez, allez attaquer les civils. Y a pas de raison. Go massacrer les civils, s'il vous plaît. Aucun civil qui traîne là? Ok. Le truc, c'est que... Est-ce qu'on pourrait pas plutôt des... Est-ce que les chevaux, ils vont se faire massacrer? Donc on voit plutôt les archers. Je suis pas sûr de mon move, je vous avoue. Je suis pas certain de mon move. Est-ce que c'est l'idée du siècle? Est-ce que les autres, ils vont se faire massacrer? Par les barricades. Logiquement. Toi, ça a l'air de marcher. Je peux pas casser ces trucs. Attendez, reculez, reculez, reculez. Alors là, ils sont un par un, donc je me dis que je suis avantagé. Je suis pas sûr de ma stratégie. Au pire, allez-y. Arrêtez de perdre du temps, les gars. Attaquez. Là, ça récupère. Continue de prendre de l'info. Non, mais en fait, je suis con, j'aurais dû contourner. Je suis un énorme boulet. Il y avait le truc pour contourner qui est fait exprès. Parce que là, je me fais massacrer comme un débile. Ah, niveau stratège, on a connu mieux, monsieur. Ah, je me suis fait un petit peu, mais j'ai perdu tous mes soldats, j'ai plus que les archers. Tout ça parce que je suis un boulet. Je pouvais juste contourner. Ah non, ça va. J'ai rien dit. Il était juste derrière, en fait. Tout va bien. Il n'y a aucun problème. Voilà. Aucun problème, on a dit, monsieur. Ok, je sais pas ce que j'ai récupéré. Ah non, attends, est-ce que ceux que j'ai... Non, parce qu'ils sont numérotés, donc... Non, j'ai pas perdu mes soldats. J'ai dit des bêtises. Mais bon, ça, on a l'habitude. Globalement, enfin... Attends, c'est ces pauvres villageois. Ok. J'aurais bien voulu me faire les villageois d'abord, mais bon, tant pis. On va devoir se contenter... de choses moins bien. Allez, go. Peut-être encore se les faire. On peut peut-être encore se les faire, messieurs. Non, ça... Ok, massacrer tout ça. C'est du bonus. C'est du bonus, littéralement. On reste là pour regarder la... voir ce qui s'y passe. Est-ce qu'un éclair versus un civil, ça passe ou il va se faire casser la gueule? J'en ai absolument cuillé, monsieur.
J'ai pas l'impression qu'ils se battent forcément trop bien. Je suis un boulet, pas pour les mêmes raisons. Attends, c'est quoi ces trucs? Village. Ok, bon bah ils se sont fait massacrer. Et ça, ça n'a pas de prix, messieurs. Voilà. Ok, il y avait pas un truc à récupérer, j'ai... Ah oui, juste là. Ça se récupère, messieurs, 400 de bois. Et ça sert à quoi de récupérer tout ça, du coup? Est-ce que je vais créer une ville après? Oula. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous de revenir, monsieur. Histoire qu'il ne se fasse pas massacrer, pauvre. Voilà. On se regroupe, messieurs. Pourquoi il y a du rouge? Oui, c'est ça. Qui a rien de grave. Là, il y a du vert, non? C'est quoi? Non, personne à moi. J'avais des doutes. Le doute élevé. Attends, du coup, là, je peux pas les contourner? Est-ce qu'on peut contourner ces délicieuses personnes? Attends, pire. Vraiment, on va essayer de passer comme ça. Et après, on les attaque, sans pas prendre les dégâts là comme des cons. Allez, go, 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 go. Allez. Les Mongols repérèrent un camp Song fortifié, bloquant la route vers les villes jumelles. Renforts sont arrivés. Voyant une occasion d'envahir le camp ennemi, les Mongols appelèrent des renforts. Oh, dis donc. Ensemble, les deux détachements attaqueraient le camp chacun d'un côté, prenant les Songs en étau. Ok, c'est ça qu'on doit attaquer. Non, mais calmez-vous quand même. Calmez-vous deux secondes. Alors, on se positionner là. Parfait. Oh. Ah, ça n'éclaire, lui. Ok. Est-ce qu'on est bon? Tout ça, on le laisse. Ça, c'est bon. Et ça, ça met nous. Attends, mais elles sont massacrées. Non, reviens. Donc, vous êtes le 2. On va d'abord se faire le petit village, messieurs. Puis go les massacrer. Comment j'accède à ce truc? Attends, j'ai raté une caisse là, mais je sais pas comment y aller. C'est par où? Ah, faut que tu passes par là? Ah, tu passes là? Ah, bah, magnifique! Magnifique ça, messieurs! C'est bon? Vous avez le droit de les massacrer! Je vous rappelle la règle, massacrer les civils en premier! Et réfléchissez ensuite! Voilà! Ça, c'est mes petits barbares qu'on aime! Clairement, enfin. Allez, c'est bon. Ok, on a juste à massacrer ça en même temps. Ça me paraît relativement simple. S'endort. Et j'imagine qu'on va créer notre base ici, non? Ça me paraît bizarre qu'on ait autant de ressources. Je vois pas quoi elle pourrait servir d'autre. Ça me paraît surprenant. C'est bon, là? Allez, finissez-moi ça. Non mais attends, il y a plein de petits civils qui ont été qui n'ont pas été massacrés, c'est honteux, monsieur. De quel droit? Je vous le demande. Voilà. Cette fois on est bon, on peut tous les envoyer. Positionnez-vous juste là. Ils sont prêts aussi. Attends, ils peuvent avancer ou pas? C'est quand vous voulez, les gars. C'est quand vous voulez. Allez, ça y va, deux, la même. On se focus sur la porte avant tout. Ou pas. On est en train de massacrer quoi là? C'est un peu le bordel. Attends, faites-moi tomber la porte. Ah, parce que du coup, ils sont tous focus là. En fait, ouais, voilà, puis du coup, il n'y a plus personne de ce côté. Je comprends mieux, messieurs. La technique de ninja. Attends, on va les aider. Go, massacrer par derrière. Parce que là, ils ont un peu de peine. Mais c'est pas grave. Ils seront battus pour la patrie, messieurs. C'est ça qui compte. Putain, ils sont massacrés, les pauvres. Peut-être les aider un moment, quand même. J'arrive. Putain, oh, ils sont tous morts. Oh, bah, écoute, c'est un sacrifice pour la patrie. Il en reste un. Est-ce que le dernier survit? Essaye de survivre. T'es le seul. L'unique. Bon, meurt, tant pis. Bon, bah, vous êtes morts pour la patrie, clairement. La base a été prise. Mais je vais pas vous cacher que c'est un sacré massacre. Globalement, c'est un tout petit peu la merde. Attends, vas-y, pète la porte. Du coup, vous n'arrivez pas à passer.
Qu'est-ce qu'il reste à massacrer? Voilà. Allez, massacrer les derniers qui restent. Et on n'en parle plus, messieurs. Ouais, j'aurais dû SD plus rapidement. On a foutu un peu le bordel. C'est un petit peu mort. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Le camp Song détruit. J'aurais dû SD plus vite. Les Mongols se mêlèrent à la conquête des villes jumelles. Tout d'abord, ils rejoignirent leurs alliés aux portes de Fansheng. Cette force d'assaut attaquerait les portes de Fansheng, tandis que l'avant-garde mongole défendrait les armes de siège qui tiraient sur les villes. Le problème, c'est qu'il me reste une grosse attaque et j'ai plus personne en fait, j'ai perdu tout. Il y a littéralement la moitié de mon armée qui est mort, je suis un peu un boulet. Je suis même très con. Je vais faire comment? J'ai perdu la moitié de mon armée, les gars. Je fais comment? Alors, il me reste certes une belle armée, mais j'ai littéralement perdu la moitié. Je suis vraiment un boulet. Faites solliciter par les moines. Moi, je veux bien, mais c'est où des moines? Ah, est-ce que les moines... Genre, si je me mets là, vous allez me soigner? Genre, vous êtes sympa? Du coup, c'est d'autant plus con d'avoir perdu mon armée. Ça rend la chose encore plus... Ouais. En plus, ils auraient pu tous me soigner. Oh, c'est encore plus débile de les avoir perdus. Ça rend la chose encore plus boulèche. Voyez-vous. Mais bon, on a l'habitude en même temps. Mais je vous avoue... Ok, j'ai rien par ici. Je laisse là un peu partout pour pouvoir avoir le voile de guerre. Ok, il soigne. Ah, je suis trop con de les avoir perdus. Peu de renforts comme les autres. Non, là, j'ai rien sur la minimap. J'ai rien récupéré, juste les moines. Du coup, c'est encore plus con de les avoir perdus. J'aurais vraiment dû faire gaffe, je suis un boulet. Ce qui est bizarre, c'est que je récupère plein de ressources. Enfin, là-bas, je récupère plein de ressources. Mais je sais pas vraiment à quoi... Attendez, comment je peux faire? Attends, qui est blessé là? Bougez un petit peu. C'est bon? Autant qu'ils se soignent tous. Je crois que c'est bon, non? Ils m'ont l'air tous soignés, ma foi. Allez, positionnez-vous. Le problème, c'est quoi? J'ai que eux, j'ai perdu la moitié. Je peux pas recréer de perso. Bizarre, là, j'ai du rouge, mais j'ai tout cassé pourtant. Coucou le terrain, vous allez bien? Allez, tranquille. L'ennemi doit être juste cela. Est-ce qu'on aura une force suffisante pour se battre? Ah, ils vont m'aider. Ah bah voilà, des forces en plus. Les Mongols rejoignirent les forces alliées aux portes de Fansheng. Alors que les forces alliées chargeaient les portes, l'avant-garde mongole alla défendre les armes de siège contre les attaques des Song. Attends, ce que je propose là du coup... C'est eux, ça va être le 2. Attends, mais t'es gentil là, mais comment je suis censé te défendre? Comment je suis censé te défendre? C'est ça la vraie question, monsieur. Attends, je suis pas censé faire ça en fait. Ouais, c'était plutôt en bas qu'il fallait que je me batte. Allez, protégez les trébuchets. Gardez pas de temps. Parce que le trébuchet, c'est clairement la vie. C'est bon. Toutes les unités sont là, je crois. Donc on a le 1. Merde, ça a pas marché le... Ah merde, je me suis trompé de bouton. J'ai mis 2, au lieu de mettre 1. Ah. Bon, on a qu'à dire que c'est pas très grave. On va regrouper tout le monde, puis voilà. Littéralement. Bon, c'est bon, les trébuchets ont tenu. Bon, des gens que j'ai envoyés ici sont tous morts comme des merdes. J'ai peut-être pas fait le move que je devais faire. Les Song brûlèrent le pont de Xiangyang, empêchant un assaut direct sur la forteresse. Oh, comme ils ont abandonné leurs potes. Les bâtards. Ils les ont clairement abandonnés. L'attaque de Fansheng fut accueillie par un déluge de coups de feu, forçant l'armée alliée à battre en retraite. Nice. Ok, je peux pas réparer, j'ai pas de truc pour réparer les ponts. Je suis censé faire quoi du coup, messieurs? Les trébuchés ont pas réussi à leur casser la gueule. Du coup, je fais quoi? Vous partez où, les gars? Les portes étaient toujours debout et sous surveillance, poussant les Mongols à changer de stratégie. Ils firent venir des renforts importants avec leur camp mobile. Oh, les Mongols le camp. Allaient assiéger les puissantes villes jumelles. Oh, j'aime ce que j'entends, là. J'aime clairement ce que j'entends. Oh, regarde-moi tout ça. Les Mongols rassemblèrent des troupes sur la tête de pont. Alors, on a de la pierre. Hein. La stratégie des Mongols consistait à tenir les ponts de la ville afin que les troupes des Song ne puissent pas sortir et que les renforts ne puissent pas rentrer.
Ok, les ponts sont ouf. Comment ça? Ils sont pas tout cassés les ponts là. Globalement, le seul pont actuellement, il me semble, c'est celui où je suis. Me semble-t-il. C'est bon? Ils attaquent où? Ok, bah écoute, tant qu'on tient là, c'est bon. Du coup, rester positionné là, puis voilà. Je pourrais presque casser le pont d'ailleurs. On peut casser le pont ou pas? Non, je peux pas. Dommage, dommage. Ok, alors, où est-ce que je vais faire mes villages? Vous partez jusqu'où là? Vous avez arrêté un moment? Ça se passe comment? Ok, je suis en train de faire ici. Mais il n'y a pas de pierre. S'il n'y a pas de pierre, c'est claqué. Me semble-t-il, monsieur. Comment je suis censé faire s'il n'y a pas de pierre? Globalement. Donc ça, c'est quoi? Le marché. Ok, un marché. Une écurie. Tir à l'arc. Caserne. Voilà. Ça, c'est quoi? Lancier, guerrier d'armes. Ok, c'est que des soldats. Récupère-moi ça. Ensuite. Ici, continue d'avancer. J'imagine qu'il va se construire là, non? Mais il n'y a pas de pierre, c'est bizarre, parce que normalement je suis censé être, avoir des boosters avec les pierres. Le jeu, non, non, on y joue de temps en temps depuis la sortie. On fait les campagnes solo petit à petit. Voyez-vous? Bon, du coup, vas-y, amélioration directe. Parce que je suis riche en or. Donc, autant être badass. Marché, est-ce que je peux faire un marché avec quelqu'un? Je suis en train de me dire, on n'a pas vu de marché, non? Le temple, c'est pas valable comme marché. Est-ce qu'on a du marché avec quelqu'un? Je crois pas. Est-ce qu'on pourrait avoir un marché? Ok, il y a un pont juste en dessous. Faut qu'on aille le sécuriser le plus vite possible. Attends, ils sont mes unités? Curie, j'ai pas un forum? C'est ça mon forum? Non, c'est quoi ce truc? Monument économique? Écoute, j'en sais rien, vas-y. Mais je crois pas que je puisse mettre de forum, j'ai l'impression. Donc pas de villageois? Non mais c'est pas possible, il y a forcément des villageois. Je dois forcément avoir des villageois. J'ai dû rater quelque chose, monsieur. Curie. Ok, je me mets un peu proche. J'ai confiance, quand même. On n'a vraiment pas de villageois? Est-ce que sans villageois, c'est la merde? Non, j'ai pas de villageois. Là, on a quoi? Qu'est-ce qu'ils nous font, eux? Vous allez où, les gars? Vous savez que vous allez crever, là, si vous continuez. Je crois que vous avez pas tout à fait compris. Wow, 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 wow. Ah non, ils sont gentils. J'ai rien dit, vous êtes gentils. C'est des jaunes. Bâtiment technique. Ouais, donc, quand on tire, toi, à chaque fois, c'est des trucs comme ça. Mais j'ai absolument pas de... Alors, caserne. Forge. Mais il n'y a pas pour faire des unités. Pour l'instant, ça va. Mais perdons pas trop de temps. Mais je peux pas créer... ouais. Cavalerie. Attends, on a largement assez, je pense. Attends, vas-y, tu vas les amener ici. Je sais plus quel bouton c'est pour tous ces sélectionnés. Bon, c'est pas grave. C'est pas bien grave. Niveau or, on a largement de quoi faire. Faites-moi des chevaux de qualité. Voilà. Ok, ensuite, on a trois zones, non? Où est-ce que c'est nos zones? Je l'ai perdu. Là. Ok, allez, on produit tout ce qu'il y a avec de l'or pour le moment. Parce qu'on est censé être largement bon. Un maximum. Mangaï, j'en sais rien. Fais-moi des mangaï. Soyons fous. Ensuite, il y a un troisième, non? Il est où mon troisième? Eux, je les ai fait. Et le dernier, il est où? Très très bonne question, monsieur. Tête de pont nord. Faut que j'envoie assez d'unités. Attends, je peux les mettre directement dedans. J'ai peur que ça parte sans que je le veuille. Alors, continue de produire. J'ai vite manqué de bouffe, par contre, fais gaffe. 140 de bouffe, quand même. Ah, ça pique. Oh, faut le mériter, quoi. 600 de bouffe. Ok, ça produit. On a juste à attendre. Est-ce que je peux faire autre chose, pour ça? Je sais pas, en fait, avec qui je peux commercer. Les jaunes, étant, ils sont où, la base? Ils ont rien. Il n'y a pas de marché. Je suis trop proche, de toute façon. Comment je fais pour pouvoir commercer? Parce que j'ai le truc pour commercer. Tête de pont. Comment on est censé faire?
Alors, garde unité à la tête de pont ouest, déplace une unité pour occuper la tête de pont nord, déplace une unité pour occuper la tête de pont sud, ok. Bon, faut qu'on se positionne petit à petit sur les têtes de pont. Tête de pont, du coup, ici. On se positionne. On va les envoyer petit à petit. Ici. La même chose. De ce côté. Je pense que ouais, de ce côté, ça va. Il n'y a pas vraiment de problème. J'aurais peut-être d'ailleurs diviser ça pour les amener de l'autre côté, non? Croyez pas. Envoyer la moitié de l'autre côté. Ou ici. Ça me parle. Le problème, il faut que je les rename après. Voyez-vous? Ça serait peut-être stratégique. Je laisse ici. Sympa, tu as une bonne idée. On a quoi ici? Allez, produisez plus vite. 60, 90. Produisez plus vite. Dès qu'on a assez. Ok. Est-ce que j'ai d'autres unités? Qu'est-ce qu'on a? Réduit le temps nécessaire. 450 d'or. Attends, j'ai assez d'or, donc vas-y. De toute manière. Bon, j'ai peur qu'il se fasse un peu massacrer là. Voyez-vous? C'est bon? Qu'est-ce qu'on est censé faire? Ça produit. Donc, ça produit largement, messieurs. Juste à mettre une unité assez rapidement là-bas. J'en suis à combien? Attends, mais quand je peux avoir autant? Ah, il faut que je répartisse, du coup 55-55. Donc, il faut vraiment que je répartisse les soldats un peu partout. J'ai peur qu'ils soient clairement trop ici. J'en ai combien là? 53, non, c'est bon. Ok, on a presque les 55. Ok, ici c'est bon. Maintenant, il faut que j'envoie vraiment les gens de l'autre côté. Littéralement. Vas-y. C'était où? Il y avait là. Il n'y en a plus qu'à attendre. Le problème, c'est que ça fait quand même beaucoup de gens à produire. Voyez-vous, est-ce qu'on a assez? Parce que j'ai plus de bouffe. J'espère que j'aurai assez de perso. J'ai pas l'air con sinon. Si j'avais pas en produire assez. Parce que j'ai pris des trucs chers peut-être. Dans ton bâtiment économique. Pour marché. Ah, je peux vendre du bois. Mais non, mais je peux pas. Ça me fait de belle jambe, c'est contre de l'or en fait. C'est contre de l'or. Je sais pas où je peux marchander. Je veux... Forge. Je pense que j'ai que 3 zones. J'ai accès qu'à ça. Et ça, je sais pas à quoi ça sert. Ah, j'ai que ces bâtiments là. J'ai pas accès au reste comme on a dans notre mission. Ton bâtiment impérial. Bâtiment impérial. J'ai que ça. J'ai pas de base normale parce que c'est la mission qui me permet. J'ai pas accès à tout. J'ai à chaque fois, en fait, j'ai 3 zones différentes. Dans les 3 zones, à chaque fois, j'ai écurie, camp de tir et caserne avec un bâtiment spécial. Là, stoupe la blanche, parce que c'est. Là-bas, j'ai une forge. Et là, j'ai le marché. J'ai rien de plus. Ça. Voyez-vous, j'ai rien de plus. Parce que j'ai pas accès aux civils, tout ça, là. C'est la mission qui est faite de telle manière. Voyez-vous. On est à combien, là? 25, 55... 55, ça va être ici, du coup. Effectivement, ici. Il m'en manque 5. Attends, vas-y. Peut-être pas autant. Là. Et du coup, les autres... Les Mongols s'étaient emparés de la deuxième tête de pont, bloquant une nouvelle voie de repli. Voilà, vous ici. Et on devrait presque y être. Bois, or, viande. Le problème, c'est que je peux en fait, dans le marché, tu peux que vendre contre de l'or. Ou tu peux vendre de l'or contre la ressource. Je peux filer de l'or contre du bois. Ah, mais donc je peux filer. Ouais, t'as raison. Si je fais de l'or avec mon bois. Attends, c'est quoi? C'est ça? S? Merde, non, c'est l'inverse. C'est ça. Là, je vends du bois contre de l'or. Et du coup, derrière. Après, je peux utiliser mon or contre de la bouffe. Et là, ça enlève de l'or contre de la bouffe. Bah oui! Mais quel génie, ce squad! Tu sens que cet homme. Merde! Ah merde, je fais. Oh là là, j'ai fait faux! C'est pas le bon bouton sur lequel j'ai appuyé. J'ai fait faire de la merde, c'est bon! C'est bon, tout. Oula, j'ai trop dépensé. Tant pis. C'est pas grave, je pourrais plus faire avec de l'or, mais bon. De toute façon, je suis plein. On s'en fout. Littéralement, monsieur. Ok, ouais, j'ai peut-être dépensé un peu trop de bois. Et j'ai plus d'or non plus, donc bon.
J'ai un peu foiré la stratégie, mais c'est pas grave, on a assez de personnes. Donc tout va bien, il n'y a absolument aucun problème. Tout était bien entendu totalement calculé. Vous pensez bien. Attends, est-ce que eux... 40, oui c'est bon, ils seront assez. Ils seront forcément assez. On se positionne, mais si on se dépêche. 40, ouais c'est bon, il y a assez. Ouais, la pierre, les Mongols occupèrent utiliser. La dernière tête de pont. Voyant que les Mongols tentaient de bloquer les voies de repli de la ville, on est bon, messieurs. Les Song commencèrent à préparer une contre-attaque. Ouais. De quel type? Du coup, qu'est-ce qu'on doit faire? Ta contre-attaque, elle va venir d'où? Parce que je te cache pas que pour le moment, bon, j'ai pas spécialement peur, disons, monsieur. On va pas se cacher. Tu me fais relativement peu peur. Toutou. Attends, comment c'est déjà? Souviens-toi, c'est pour les peurs. Exactement, c'est totalement ce que nous sommes, messieurs. Mais attends, je suis en train de faire n'importe quoi. Ah, je suis en train de casser des trucs sur mon Mac, là, comme un con. Littéralement. En train de tout casser. Attends, mets-toi là. Les Song lancèrent leur contre-attaque contre les Mongols qui occupaient les têtes de pont. Les Mongols devaient résister aux attaques des Song sur les trois têtes de pont. Ouais. Les trois têtes de pont. Laquelle est la plus fragile? Le pont nord? Mais bon, j'ai confiance. Attends, je suis où? Je sais plus. J'ai pas où je suis. Vous comptez fighter un moment? Oh là là, ils sont massacrés par les trucs, c'est magnifique. C'est clairement magnifique. Parce que ici, c'est bon. Là. Ok, il faudrait que je les rename. Attends, ça nous donnerait. Le problème, c'est que si j'en remets 2, ça va être le bordel. Attends, ça va être 0. 9. Et là, du coup, on sera sur le 8. 8, voilà. On peut attaquer là ou ça se passe comment? J'en sais faire quoi? Maintenir votre emprise sur tête de pont ouest. Je vais juste tenir leurs vieilles attaques là? Elles sont éclatées leurs attaques! Littéralement. Quoi. Elles sont totalement éclatées, monsieur. Attends, les archers essaient de vous positionner un peu plus proche. Histoire de pouvoir être un petit peu en soutien. Voilà. Donc je suis pas censé les attaquer, je vais juste tenir théoriquement. J'ai tellement envie d'attaquer. J'ai tellement envie, t'en recule, recule. Faites pas les fous. T'es sûr qu'il n'y a pas moyen d'attaquer là? Maintenant, non, je suis censé attendre, mais j'ai envie d'attaquer quoi. Vous me connaissez. C'est pour les fragiles d'attendre. What, pourquoi vous attaquez bande de cons? Vous êtes pas des génies vous par contre. Ah, vous êtes clairement pas des génies. Ah mais vous non plus visiblement. Utilisez un peu vos cerveaux à un moment. Oh, c'est pas possible. Bon, ici ça passe. Il y a zéro problème ici. Le souci c'est d'être plus de l'autre côté parce que c'est pas forcément des malins on va dire. Je vais pas m'aider peut-être les gars. Ce serait sympa à un moment. Parce que bon, c'est pas qu'on se fait massacrer mais un petit peu quand même. Ok, faut vraiment que je produise encore par contre là. Bah du coup j'ai été un peu claqué. Ah oui, j'ai perdu moitié mes unités déjà. J'ai perdu 100 soldats pratiquement. Ah. Ah ouais, c'est... Ah. C'est problématique ça. C'est clairement problématique. Ok, j'ai plus rien. Ouais, je me suis fait massacrer. Comment je fais? Faut que j'envoie des unités, j'ai pas le choix. Oh là là, c'est la merde. C'est la merde. Vous allez bien sinon? Allez, go, 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 go. Maintenant, vous allez faire massacrer là. Ah ouais, mais c'est la merde de chez... voilà. Je serais pas contre l'envoi de quelques supports en plus. On va se faire massacrer sa mère. Ok, est-ce que c'est bon l'attaque? Je crois pas. Mais tant pis, reculez, reculez. Faut aller aider là. What, on va se faire massacrer. Non, c'est la merde. On a craqué de ce côté.
Et le problème, c'est que j'envoie à chaque fois des... Oh là là, on perd tout. Ok, je perds l'emprise en plus. Je suis censé faire comment, moi? Parce que je crois que si je suis pas dedans, je perds l'emprise. What? Mais comment je m'en sors? Je vais juste me faire massacrer. Est-ce que les gros... C'est un si gros... Putain, il y a 10 ans arrivé. Allez les gars, on se bouge un peu les fesses. Parce que là c'est un peu le bordel, on va pas se cacher. Non, j'ai perdu. Non. Je vous rappelle ces pauvres attaques. Mais ouais, elles étaient toutes claquées. C'est mon perso, c'est un peu débile et puis il court dessus. Faut que j'envoie tout de suite plein d'hommes de gauche en haut au nord, donc de l'ouest au nord, et que je produise un maximum tout de suite sur le nord. C'est là où ça craque. Ah mais c'était toute nue leur attaque pourtant. Je sais pas, ils ont craqué ces boulefs. Alors, tout de suite, directement, on envoie immédiatement maximum d'hommes ici. Ok, j'ai sauvegardé, ils vont m'attaquer incessamment sous peu je crois. Attends mais j'ai un paquet de soldats là, comment est-ce qu'ils ont pu mourir? What, j'avais tout ça? Mais comment est-ce qu'ils sont morts ces boulets? Regarde là, j'ai des soldats d'élite et tout. Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Attends, j'avais dû les déplacer en bas ou je sais pas ce que j'ai foutu? J'avais clairement dû faire n'importe quoi. On est à combien là? J'ai occupé... Prévu contre-attaque. La contre-attaque va arriver. Là j'ai que ça, mais bon j'espère que ça suffira. Reculer un petit peu d'ailleurs. Eux ils arrivent. Ils lancèrent leur contre-attaque contre les Mongols qui occupaient les têtes de pont. Ok, cette fois on est censé être pas mal. Les Mongols devaient résister aux attaques des Song sur les trois têtes de pont. On va essayer de produire un maximum ici. Qu'il y ait beaucoup d'archers. Je me dis que ça peut être pas mal. Et ici on va quand même produire un petit peu. Voilà. Comme ça dès qu'il meurt ça va produire. Là j'ai personne. J'ai peur de pas avoir assez de monde ici. Je t'avoue, il faut surtout pas vraiment que je les retienne. Surtout pas qu'ils aillent comme des cons là-bas quoi. Inversez-vous. Ok, on est bien. Pour le moment on est bien messieurs. Faut vraiment les forcer à venir, faut surtout pas... En fait faut vraiment que je recule un maximum. C'est à eux de venir, et pas l'inverse. Parce que si j'avance sur le pont, je me fais massacrer. Voilà, reculer, reculer, reculer. C'est vraiment à eux d'avancer. Voilà. Là on est bien mieux. Allez, tirez, tirez, tirez. Toi ici, ils sont massacrés, même pas en avancée. Ils sont massacrés par les trébuchés. Donc là, aucun problème. Ici, c'est bon. Là, par contre, non, 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 recule, 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 recule. Tu vois, ils avancent comme des cons, ils se font massacrer. Ils se font massacrer comme des cons de nouveau. Enfin. C'est vraiment des boulets. Vite, envoie des renforts. Attends, vite, fais gaffe au centre, c'est où? Ici ça va. Est-ce que j'enverrais pas un petit peu de monde en bas? J'ai l'impression qu'il reste plus grand monde, parce qu'à chaque fois ils attaquent. Ils sont trop trop cons. Parce que là ça a l'air de tenir pour le moment. What? Mais vous faites quoi? Mais vous êtes complètement cons! C'est pas par là qu'il faut passer! What? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ok. De nouveau, on a le même problème, ils avancent comme des débiles. Oh là là, c'est la merde. C'est la merde, messieurs. Je propose d'en envoyer un peu en bas. Reculer, reculer. Faut vraiment rester en arrière. Ok. C'est l'heure de passer. C'est l'heure de passer. En bas, ils se font massacrer, forcément. Reculer, les bandes de cons. Faut que j'envoie du monde absolument là. Ça va vite devenir compliqué ici. Attends, tiens. Parce que là, ils sont combien? Là, ça a l'air de tenir. Peut-être quelques archers en plus là. Ah, vas-y, go, 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 go. On
On va aller en bas. Oh, ils sont massacrés, c'est la merde. Ici, c'est bon. Là, ça devrait le faire. Ok. Juste là où ils sont massacrés. Mais c'est un peu beaucoup la merde. Non, mais reculez, bande de boulets. C'est bon. Ils sont massacrés. Faut qu'ils tiennent, faut qu'ils tiennent. Les renforts arrivent. Il manque pas grand chose. Le pont suite, c'est celui-ci, ouais, le pont suite, je perds, je sais. Mais c'est bon, on arrive. Là, parfait, on a réussi. On s'en est sorti, messieurs. On s'en est sorti. Certes, un peu dans la difficulté. Enfin, par contre, faut qu'ils viennent là quand même. Il y a du monde qui arrive ou pas? Ça commence à être un peu juste. Allez, go, 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 go. Oh putain, ça s'est... Oh, ça a tenu à rien du tout, on a failli le perdre. Waouh, c'était chaud. Prêt à tout pour arrêter les attaques des Mongols. Nice. Les Song détruisirent les derniers ponts vers les villes jumelles. Sans pouvoir avancer, la forteresse de Xiangyang resta inaccessible aux Mongols. Cependant, le siège se poursuivait. On peut être fiers de nous. La cause du Khan n'était pas encore perdue. Bah voilà, c'est tout. Bah parfait, messieurs, la victoire. C'est pas si compliqué finalement. On n'a pas joué, ça s'est pas joué à grand chose tout à l'heure. La première, on pouvait largement la faire d'un coup. Malheureusement, on a foiré de façon bête.